d'accord. Moi, je pense que c'est un film. Thank you.
Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père. Nous te louons, sagesse éternelle et Verbe de Dieu. Nous te chantons, ô Fils de la Vierge Marie. Nous te louons, ô Christ notre frère venu nous sauver. Chantons, lumière éclairant nos ténèbres. Nous te louons, flambeau de la nouvelle Jérusalem. Nous te chantons, ô prêtre de l'Alliance nouvelle. Nous te louons, tu es notre paix par le sang de la croix. Peuple de prêtres, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vais vous asseoir. C'est avec joie que nous nous rassemblons aujourd'hui pour cet événement diocésain, puisque le Seigneur a appelé et nous donne aujourd'hui un nouveau prêtre. Nous voulons, avec notre amitié, notre affection, notre prière, accompagner Tim, sa famille et tout le presbytérium de Charente et ceux qui viennent d'ailleurs pour rendre grâce à Dieu pour cet appel. Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Maxime Petit. Me voici. Père, la Sainte Église vous présente Maxime Petit
et demande que vous l'ordonniez prêtre. Savez-vous s'il a les aptitudes requises ? Maxime Petit a 28 ans, ses racines charentaises sont profondes et solides. Avec le soutien de voisins et d'amis, il naît et grandit dans la foi en cette terre de Charente qu'il aime tant. Après le bac, il étudie un peu l'économie, l'économétrie plus exactement, à Bordeaux puis à Paris. Entré au séminaire, après de fortes expériences en aumônerie et au JMJ, il reprend le chemin de Bordeaux. Il est soutenu par les paroisses des Saints Apôtres ici et de Cognac. Et puis il prend le chemin de Paris dans notre séminaire où il continue ses études de théologie depuis 2 ans et pour encore 2 ans. Au séminaire de Paris, nous avons pu bénéficier de la bonne humeur constante de Maxime, de son bon sens concret et ecclésial, de sa volonté ferme d'être vraiment au service du peuple de Dieu et de ses périphéries, avec les jeunes du patronage du Bon Conseil, comme avec les paroissiens de la petite paroisse Saint-Jean des Deux-Moulins, ou avec les détenus de la prison de la Santé, Maxime a pu s'exercer à la charité pastorale tous azimuts. Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Maxime pour l'ordre des prêtres. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné ton Fils au monde comme prêtre de ton alliance avec l'humanité pour la sanctifier et l'offrir à ta gloire. Accorde à Maxime, qu'il a choisi comme serviteur et intendant de tes mystères, de travailler fidèlement à la construction de son corps. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète
prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors, il entendit une voix qui disait « Que fais-tu là, Élie ?» Il répondit « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté fidèle et ils cherchent à prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit, « Repars vers Damas, par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël comme roi de Syrie. Puis, tu consacreras Jéhu, fils de Damsi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète pour te succéder. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que vienne sur moi ta miséricorde, Seigneur, et ton salut selon ta parole. Que vienne sur moi ta miséricorde, Seigneur, et ton salut selon ta parole. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Que vienne sur moi ta miséricorde, Seigneur, et ton salut selon ta parole. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur? Moi dont tu brises les chaînes. Que vienne sur moi ta miséricorde, Seigneur, et ton salut selon ta parole. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Que vienne sur moi ta miséricorde,
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. En effet, il est écrit, c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Jésus se manifesta à ses disciples au bord du lac. Après le repas, il dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut peiné, parce que,
pour la troisième fois, Jésus lui demandait « M'aimes-tu ?» Il lui répond « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi. » S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui répond « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Quel évangile étonnant! Il faut donc aimer le Christ pour le suivre dans ses conditions, en voyant l'avenir qu'il propose à Pierre. Quel amour était le sien pour continuer ainsi à le suivre? Nous sommes après la résurrection, et pour oublier les temps de la passion et les tourments intérieurs, Pierre s'est remis au travail, il fait ce qu'il sait faire. Et c'est le miracle d'une pêche inattendue. Jetez vos filets à droite de la barque et vous trouverez. Contre toute logique, il s'est même habillé pour sauter à l'eau et rejoindre Jésus, qui a été reconnu en premier par le disciple bien-aimé, car on ne voit bien qu'avec le cœur. Et c'est encore tout dégoulinant qu'il assume cette confrontation avec celui qui l'a renié trois fois. Il n'y aura pas d'explication, pas de règlement de compte, pas d'accusation, mais un dialogue d'une rare intimité où les deux cœurs se révèlent être en attente d'alliance. Dieu est miséricorde, il guérit. Le triple reniement va être guéri par cette triple, pauvre et humble, déclaration d'amour. Cet évangile nous le dit, ce qui compte avant tout, c'est l'amour. Celui qui veut s'occuper du peuple de Dieu doit avant tout aimer le Christ. Et une vie est réussie quand l'amour est vécu en vérité. Un amour qui croit, un amour qui pardonne et qui sert, un amour qui adore, un amour qui espère. Quand nous considérons la vie de Pierre choisie pour être la pierre sur laquelle Dieu veut construire son Église, malgré toutes ses limites, nous voyons que c'est la charité du pasteur, la charité pastorale qui doit être au cœur même de la vie de l'Église, et c'est la charité de l'Église qui est au cœur de sa mission. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ? Jamais Pierre n'aurait osé prétendre à un amour divin si celui-ci ne lui était pas proposé. Ce n'est pas une idée, c'est une réalité qui le touche profondément. Il va ainsi préparer son cœur à la venue de l'Esprit-Saint à la Pentecôte.
Alors, paie mes agneaux, c'est-à-dire occupe-toi de mes agneaux. Trouve-leur des prés d'herbes fraîches qu'ils puissent reposer. Prends soin de la fragile. Prends soin de tes frères. Et donne-leur toute ta vie en leur donnant les sacrements de la vie, en étant comme Jésus, doux et humble de cœur. Enseigne, sanctifie, gouverne. C'est ce qui est demandé à toute l'Église et de manière spécifique et différenciée aux évêques, aux prêtres, aux diacres et à chaque baptisé. Peut-être pouvons-nous faire un parallèle entre les trois charges du ministère et cette triple demande. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ? La dimension prophétique d'abord, enseigner. Certes, tu peux être un sachant, mais tu sais surtout que ta connaissance est partielle et tu seras avant tout un bon enseignant si sans cesse tu ne cesses de te laisser toi-même enseigner. Tu te rappelleras que la science sacrée n'est vraie que si elle s'enracine solidement dans une vie de prière, les yeux dans les yeux du Christ ressuscité, un cœur à cœur. Et ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, nous dit saint Jérôme. Et si la parole de Dieu est l'âme de la théologie, c'est-à-dire que la vraie connaissance est celle du Christ ressuscité, sans la vie spirituelle, la connaissance spéculative est vaine et desséchante. Enseigner, sanctifier la dimension sacerdotale. Le prêtre, dans ses efforts et son désir de sanctification personnelle, est appelé à célébrer pour permettre à tout le peuple de Dieu de s'offrir, d'offrir et de recevoir la grâce nécessaire pour continuer la route ensemble. Et la vie eucharistique ne se résume pas à une célébration et un rite. Elle doit être une vie toute donnée, dans l'amour, un engagement dans le monde d'aujourd'hui. Être prêtre n'est pas une fonction, c'est une identité. Le modèle à suivre est celui du saint, de la sainte, pour aider les autres à leur propre conversion. Sanctifie-toi toi-même, accueille la sainteté que le Seigneur te donne. Et s'il faut gouverner, il faut servir. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, dit Jésus. Le peuple de Dieu est libre et responsable, et il marche à la suite du bon pasteur, le Christ, en étant docile à ses appels, à sa bonne volonté. Jean-Paul II, dans Pastores Dano Vobis, exhorte les prêtres à adopter un nouveau style de vie pastorale, c'est-à-dire de nouvelles formes de vie pastorale entre prêtres et de travailler en collaboration étroite, certes avec l'évêque, mais aussi avec les fidèles laïcs, pour s'impliquer dans la conception, mais aussi la mise en œuvre de processus missionnaires qui correspondent au temps d'aujourd'hui. Enseigner, célébrer, servir, il faut enseigner avec amour, il faut célébrer avec amour, il faut servir avec amour, et il faut aimer le Christ pour enseigner, célébrer et servir. Pour tout cela, et aller à la source, le prêtre est appelé à se retirer régulièrement dans la grotte de son cœur, comme l'a fait Élie, et se laisser rejoindre par le murmure d'une brise légère. Là se vit la relation vitale où le Christ transmet son cœur pour un élan missionnaire sans cesse nouveau. Les couples le savent. Dans leur relation conjugale, la fidélité impose de créer chaque jour une nouvelle manière de dire « je t'aime ». Pour vous, Maxime, eh bien, demandez au prêtre aîné, comme le père Tourviel qui a fêté ses 70 ans de sacerdoce cette semaine, comme le père Louis parmi nous qui fête ses 74 ans de sacerdoce, demandez-leur ce que cette vie sacerdotale leur a imposé comme adaptation et souplesse à la suite des profondes transformations du monde depuis plus de 90 ans. Demandez-leur comment leur appel a résisté au bouleversement du temps.
Pour Élie, ce fut le feu, la tempête et le tremblement de terre. Saint Paul, lui, nous parle de détresse, d'angoisse, de persécution, de faim et de glaive. Dans ces conditions, qui suivra le Christ ? Pour Élie, c'est un enseignement par défaut, apprendre là où Dieu n'est pas, n'en déplaise aux prophètes de malheur. Mais c'est la condition après pour pouvoir donner l'onction à son tour. Peut-être que ces intempéries étaient indispensables pour purifier son cœur, afin qu'il soit capable d'entendre le murmure d'une brise légère, c'est-à-dire la voix du silence de Dieu. Écoute, écoute. Les épreuves, comme parfois les échecs, sont parfois nécessaires pour changer le cœur de l'homme, souvent compliqué et malade. Pierre et Paul, fêtés cette semaine, nous apprennent très clairement que la vie à la suite du Christ n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il sera malheureux celui qui cherche avant tout une vie de quiétude et de bien-être égoïste. Jésus bouleverse l'ordre pour créer un bien supérieur. Vous êtes prévenu, Maxime. C'est un sommet aujourd'hui pour vous, préparé depuis de longues années. Je voudrais rendre grâce à tous vos formateurs qui sont ici dans l'Assemblée, ceux qui ont pu venir et ceux qui ne sont pas là. Beaucoup de choses ont construit votre vie, des valeurs familiales reçues, un séjour au Vietnam, des frères séminaristes. Aujourd'hui, c'est un sommet, ça veut dire une nouvelle vie commence, où vous laisserez évangéliser par ceux que vous êtes appelés à servir. Votre histoire vous a fait vous intéresser à l'économie. Vous auriez peut-être pu faire une belle carrière, mais comme le jeune homme riche, vous avez choisi de réussir votre vie en laissant le regard de Jésus se poser sur vous. Désormais, c'est l'économie du salut qui compte. Et comme on plonge dans une piscine pour la première fois, vous allez être plongé dans l'amour miséricordieux du Père pour devenir à l'image du Fils prêtre, prophète et roi. Nous le sommes tous par notre baptême, prêtre, prophète et roi. Mais vous allez le devenir de manière particulière par l'ordination. Vous suivez le Christ et vous ferez tout ce qu'il vous dira. Vous témoignez déjà et vous voulez que chacun, dans sa propre histoire, découvre ce trésor. Il y a presque autant de prêtres que de futurs prêtres ici dans notre assemblée. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ, dit saint Paul aux Romains. Si nous le croyons et si nous en vivons, alors rien ne peut nous arriver. J'exulte de joie dans toutes nos détresses, dira par ailleurs saint Paul. Des difficultés, il y en a. Mais le Seigneur n'a jamais dit « Je vous construis une autoroute ». Il a dit « Je remplis tout de ma présence et tu pourras toujours compter sur moi. » Viens, suis-moi. Où, Seigneur ? Mais que t'importe puisque je suis avec toi. Et je sais où je vais. Et je sais ce dont le peuple de Dieu a besoin et que je te révélerai jour après jour. Au bord du lac de Tibériade commence pour Pierre une nouvelle vie. Il se rappellera toute sa vie que l'amour est premier. Pierre, Simon, m'aimes-tu plus que ceci ? Alors, paix mes agneaux. C'est l'appel du Seigneur pour vous, Maxime, que nous reconnaissons aujourd'hui et que nous célébrons avec joie. Père Louis nous le dira, Dieu est fidèle.
Veni Creator Spiritus. Mentes tuorum visita in plesu formis monere, dictus paterne et dextere, turite promissum patris, sermone editans guturam. Accende lumen sensibus, in funda camus atque filium, te quotrius que spiritu, credamus omni tempore. Deo Patris et Gloria, et Filio qui amor tui, vous asseoir. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre ? Collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit-Saint. Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique ? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien ? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié ? En étant toujours assidu à la charge de la prière. Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père
en victime sans tache et vous consacrer avec lui pour le salut du genre humain. Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu celui qu'il a choisi comme prêtre. Demandons-lui de répandre sur Maxime la grâce de sa bénédiction. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie. Françoise Romaine et Sainte Agnès, priez pour nous. Saint Augustin et Sainte Monique, priez pour nous. Saint Cyril de Jérusalem, priez pour nous. Saint Maxime le Confesseur, priez pour nous. Saint Martin et Saint Benoît, priez pour nous. Saint François et Saint Dominique, priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne et Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc et Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Saint Claude de la Colombière et Sainte Marguerite Marie, priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney et Saint Benoît Joseph Labre, priez pour nous. Saint Philippe Néri et Saint François de Sales, priez pour nous. Saint Vincent de Paul, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous. Saint Jean Bosco, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Bienheureux Pierre Giorgio Frassati, priez pour nous. Saint Jean 23 et Saint Jean Paul II, priez pour nous. Saint Ozone et Saint Apton, priez
au Maître. Priez pour nous. Votos, saints et saintes de Dieu. Priez pour nous. Montre-toi favorable. Délivre-nous, Seigneur. De tout péché et de tout mal. Délivre-nous, Seigneur. De la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur. Par ton incarnation. Délivre-nous, Seigneur. Par ta mort et ta résurrection. Délivre-nous, Seigneur. Par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur. Nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église. De grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. De grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de bénir ceux que tu as appelés. De grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de les bénir et de les sanctifier. De grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer. De grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de mettre dans les peuples une entente et une paix sincère. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de nous affermir et nous garder fidèles à te servir. De grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant. De grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination celui que nous te présentons pour le ministère du presbytérat, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour celui qu'il a choisi comme prêtre. Demandons-lui de répandre sur Maxime les dons de son esprit.
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce, toi la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit Saint et selon les divers ordres, les ministres de Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà, dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue pour que des prêtres, selon la loi, soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tache. Il a fait participer à sa mission ses apôtres consacrés dans la vérité et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accompli dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à ton serviteur que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répand une nouvelle foi au plus profond de lui, l'esprit de sainteté. Qu'il reçoive de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal. Qu'il incite à la pureté des mœurs par l'exemple de sa conduite. Qu'il soit un vrai collaborateur des évêques pour que le message de l'Évangile, par sa prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'il soit avec moi un fidèle intendant de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle alliance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'il implore ta miséricorde pour le peuple qui lui est confié et pour l'humanité tout entière. Alors toutes les nations rassemblées dans le Christ seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Laudate, laudate Dominum, omnes gentes. Laudate, laudate, laudate Dominum, laudate Dominum.
par des chants de joie, louez le Seigneur et sonnez de la trompette pour le mois nouveau. Quand vient ce jour de fête pour notre Dieu? Laudate, laudate, laudate Dominum, omnes gentes. Laudate, laudate, laudate Dominum, laudate Dominum. Réjouissez-vous, Christ vous a choisi. Vous ne l'aimiez pas encore que Jésus déjà, avant votre réponse, comptait sur vous. Laudate, laudate, laudate Dominum, omnes gentes. Laudate, laudate, laudate Dominum, laudate Dominum. Réjouissez-vous, Christ vous a choisi. Vous que le Seigneur appelle, étiez serviteur. Vous êtes par sa grâce, ami de Dieu. Laudate, laudate, laudate Dominum, omnes gentes. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Jubilate de chant de joie, louez-le sans vous lasser. Jubilate Deo, cantate Domino. Jubilate Deo, cantate Domino. Rendez grâce au Seigneur et jouez pour son nom, par des chants nouveaux, acclamez le Tout-Puissant.
Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. La parole de Dieu est plus sûre qu'un roc. Toutes ses actions sont justice et vérité. Jubilate Deo, cantate Domino. Jubilate Deo, cantate Domino. L'amour du Seigneur est rempli l'univers, et par sa parole le monde fut créé. Jubilate Deo, cantate Domino. Jubilate Deo, cantate Domino. L'eau des mers les abîme, la terre et le ciel, tout est dans sa main et demeure sous sa loi. Jubilate Deo, cantate Domino. Jubilate Deo, cantate Domino. Que la terre s'incline et l'adore avec foi, car c'est lui qui donne vie à l'univers. Jubilate Deo, cantate Domino. Jubilate Deo, cantate Domino. Les desseins du Seigneur nous dépassent toujours. Il conduit le monde selon sa volonté. Jubilate Deo, cantate Domino. Jubilate Deo, cantate Domino. Bienheureux d'âge en âge le peuple de Dieu, car il est comblé de sa grâce chaque jour. Jubilate Deo, cantate Domino. Jubilate Deo, cantate Domino. Ensemble, nous pouvons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne mission à tes prêtres d'allier le service de ton autel et celui de ton peuple, aide Maxime, par la grâce de cette Eucharistie, à t'offrir le sacrifice que tu attends de tes serviteurs et qui puisse porter dans ton Église un fruit qui demeure toujours, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu qu'il y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils auront à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la vérité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde en se conformant au Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, sanctus, sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, sanctus, sanctus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra, gloria de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps
les vrais pauvres. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. » En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui es vivant. Gloire à toi, qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Pierre, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Hervé, l'ensemble des évêques, les prêtres, Maxime qui vient d'être ordonné prêtre, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les défunts des familles, de la famille de Maxime, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Oui, aimer le Christ pour en lui et dans l'Esprit pouvoir aimer le Père comme Jésus aime son Père. Notre Père. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh, c'est à toi qu'appartient. Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Quelques consignes pour la communion. Il y aura 6 postes de communion, 2 tout à fait au fond, sous le grand orgue, pour toute la partie du fond, 2 au milieu de la cathédrale, et l'évêque et Maxime au pied des marches de l'autel. Vous voudrez bien commencer par le fond,
pour avancer et repartir par les bas-côtés. Je rappelle que les personnes qui ne souhaitent pas communier ou qui ne peuvent pas communier peuvent s'avancer en croisant les bras sur la poitrine pour recevoir la bénédiction et que nous sommes priés de consommer l'hostie sur place au moment même où nous la recevons. Merci. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
coupe que nous bénissons et communions au sang de Christ. Le pain que nous avons rompu et communions au corps du Christ. Alors qu'il n'y a qu'un seul pain, ne soyons plus qu'un même corps. Alors qu'il n'y a qu'une coupe, soyons tous du même sang. Venez manger de ce pain, buvez de ce vin préparé pour vous. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, n'aura jamais faim. La coupe que nous bénissons et communions au sang du Christ. Le pain que nous avons rompu et communions au corps du Christ. Alors qu'il n'y a qu'un seul pain, ne soyons plus qu'un même corps. Alors qu'il n'y a qu'une coupe, soyons tous du même sang. Venez et voyez les merveilles de votre Dieu. Venez dans la joie, puisez aux sources de la vie. La coupe que nous bénissons et communions au sang du Christ. Le pain que nous avons rompu et communions au corps du Christ. Alors qu'il n'y a qu'un seul pain, ne soyons plus qu'un même corps. Alors qu'il n'y a qu'une coupe, soyons tous du même sang. Venez, venez à moi, vous qui peinez sous le fardeau. Sur vous, prenez mon joug, car je suis doux et humble de cœur. La coupe que nous bénissons et communions au sang du Christ. Le pain que nous avons rompu et communions au corps du Christ. Alors qu'il n'y a qu'un seul pain, ne soyons plus qu'un même corps. Alors qu'il n'y a qu'une coupe, soyons tous du même sang. Mon joug est aisé, mon fardeau est léger. Coupe que nous bénissons et communions au sang du Christ. Le pain que nous avons rompu et communions au corps du Christ. Alors qu'il n'y a qu'un seul pain, ne soyons plus qu'un même corps. Alors qu'il n'y a qu'une coupe, soyons tous du même sang. Allez, vous aussi, travaillez à ma vigne. Allez, de par le monde, et proclamez mon évangile. Coupe que nous bénissons et communions.
avons rompu les communions au corps du Christ. Alors qu'il n'y a qu'un seul pain, ne soyons plus qu'un même corps. Alors qu'il n'y a qu'une coupe, soyons tous du même sang. Unissons notre prière. Nous venons de prendre part à cette Eucharistie, Seigneur, en te l'offrant et en y communiant. Qu'elle soit la force de tes prêtres et de tous les membres de ton Église. Qu'un amour indéfectible les unisse à toi et les dispose à te servir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Simplement prendre la parole pour
annoncé ta nomination, mon cher Maxime. Effectivement, tu vas poursuivre tes études à Paris. Tu as encore 2 ans devant toi pour préparer cette licence canonique en théologie. Mais tu seras toujours attaché, bien sûr. Tu es prêtre diocésain. Tu es lié à notre diocèse comme vicaire de la paroisse Saint-Martin en Val-de-Cognac. Et tu pourras également participer, continuer à participer à la pastorale des jeunes dans notre diocèse. Monseigneur, chers pères, chères familles, chers amis, chers paroissiens de Charente, au terme de cette Eucharistie qui nous a rassemblés pour célébrer le Seigneur qui ne cesse d'appeler des hommes à sa suite, je voudrais lui rendre grâce pour le don qu'il vient de me faire. Le désir de devenir prêtre, longuement médité dans la prière et aux côtés de vous tous, s'est peu à peu affiné jusqu'à ce jour où commence une nouvelle étape de ma vie. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont accompagné sur ce chemin tout au long de mes années de séminaire. Ma gratitude s'adresse d'abord à vous, Monseigneur. Merci pour votre confiance, pour vos encouragements et vos conseils. Merci également à Monseigneur d'Agence qui m'a entré au séminaire et à tous mes formateurs au séminaire de Bordeaux et de Paris qui ont fait fleurir le germe que le Seigneur avait placé en moi. Je voudrais également remercier tous mes proches, tous les membres de ma famille ici réunis. Remercier en particulier mes parents, pour qui ce choix de devenir prêtre n'a pas toujours été facile à comprendre ni à accepter. Tous les deux, vous m'avez toujours témoigné un grand amour et avez permis que se déploie ma liberté pour prononcer en ce jour ce « oui, je le veux » pour le don de ma vie. Merci à vous deux pour votre présence à mes côtés et également à mon petit frère si cher à mon cœur. Merci également à tous mes amis qui ont fait le déplacement depuis la Normandie, depuis Paris ou depuis Bordeaux. Merci également à tous les paroissiens de Charente qui sont venus m'entourer en ce jour, à ceux qui nous écoutent sur les ondes et à ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube. Vous savez combien je suis attaché à cette terre charentaise qui m'a vu grandir et sur laquelle je veux vivre mon ministère sacerdotal. Nous ne saurons qu'au ciel combien ma vocation est le fruit de vos prières fidèles et aimantes. Mais plus j'avance, plus je me rends compte du nombre de personnes qui prient pour les vocations ou qui prient pour que je devienne un saint prêtre. Ne cessons jamais de demander à Dieu des ouvriers pour sa moisson. Merci à tous ceux qui offrent à Dieu des prières et des sacrifices pour la sanctification du monde. Je voudrais remercier enfin toutes les personnes qui ont œuvré pour la préparation de cette célébration, ceux qui ont décoré admirablement cette cathédrale, ceux qui ont animé par la beauté musicale et par leur voix. Un merci tout particulier aux pères Florian Marchand et Frédéric Volo qui ont passé un temps considérable pour peaufiner les détails qui ont rendu cette célébration si belle. À l'issue de la messe, vous êtes tous conviés à la maison diocésaine au 226 rue de Bordeaux autour d'un vin d'honneur préparé par mon papa et sa compagne et par bien des paroissiens de Cognac, d'Angoulême et d'ailleurs. Qu'il soit vivement remercié pour cela. Comme c'est la tradition, et comme nous n'avons pas eu de prêtre depuis longtemps dans notre diocèse, je vous la rappelle, je me tiendrai à la disposition de tous ceux qui veulent recevoir la bénédiction de mes mains de jeune prêtre, bénédiction qui est indulgenciée en ces jours. Je ne bénirai pas ici, à la cathédrale, mais je descendrai assez vite à la maison diocésaine. Alors surtout, n'hésitez pas à y venir. Vous y êtes cordialement invités. Et pour ceux qui ne le pourraient pas, je bénirai après chacune de mes premières messes dans cette première semaine de sacerdoce. Il y a tout juste 94 ans, le 4 juillet 1925,
dans le nord de l'Italie, naissait au ciel un homme débordant de joie qui a passé une partie de sa courte vie à s'occuper des plus pauvres et des plus petits. C'est bien sûr le bienheureux Pier Giorgio Frassati. Quelques mois avant sa mort, il écrit dans une lettre cette phrase que je voudrais vous partager, car elle manifeste ce qui habite mon cœur aujourd'hui. « Vivre sans la foi, ce n'est pas vivre, mais vivoter. Nous, nous ne devons jamais vivoter, mais vivre. Chers amis, vivons. Vivons de cette foi qui nous vient des apôtres. Vivons de l'amour de Dieu qui embrase le monde. Je m'adresse en particulier aux jeunes qui se posent la question de ce qu'ils vont faire de leur vie. N'ayez pas peur de vous mettre à la suite du Christ. C'est un chemin périlleux, semé d'obstacles en tout genre, mais un chemin magnifique où tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est amour et il le manifeste. J'en suis la preuve vivante. Je vous demande de prier pour moi afin que je demeure fidèle tout au long de ma vie à ce don du sacerdoce jailli du cœur du Christ. » Deux annonces de la part du recteur de la cathédrale et du curé de cette paroisse, pas sans lien avec Maxime d'ailleurs. La première, c'est bien sûr une de ses premières messes sur notre paroisse des Saints Apôtres, vendredi soir, 9 juillet, à 18h, à l'église Notre-Dame d'Aubzine, le sanctuaire marial de cette ville d'Angoulême. 18h vendredi prochain, nous y sommes évidemment tous invités. La deuxième annonce, c'est la proposition de ce qu'on appelle un oratorio musical, ici à la cathédrale, le vendredi 16 juillet à 20h30. Vous en avez des affiches aux portes de la cathédrale et des flyers sur les tables. Un oratorio, c'est une succession de pièces vocales, pièces instrumentales, textes de méditation, un concert spirituel. Cette année avec un cœur d'adultes, un cœur d'enfants qui vivront un camp dont Maxime est le directeur adjoint à l'abbaye de Puy-Pérou, de 10 au 17 juillet. Cœur d'adultes, cœur d'enfants, orchestre et orgue, ici à la cathédrale, 20h30, 16 juillet. Merci. À la sortie de cette messe, vous pourrez recevoir l'image d'ordination de Maxime. Je pense que même vous pouvez en emporter pour des personnes qui n'ont pas pu être présentes ici et qui seront sûrement touchées de ce geste d'attention. Merci à tous. Et Maxime, on vous sent prêt, prêt à enseigner, prêt à sanctifier, prêt aussi à servir. Alors vous l'avez dit, il ne faut pas vivoter, il faut vivre. On retiendra ça. Et nous le savons, le secret pour être toujours heureux se trouve dans l'Évangile. Alors allons-y. Et puis je vous donne cette prophétie d'Agée lorsqu'il dit « Courage, Zorobabel, au travail, le Seigneur est avec toi. » Oui, la moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Il y a beaucoup de travail à la vigne du Seigneur, mais la joie de travailler pour ses frères surplombera tout ce qui est difficile. Que le Seigneur vous accompagne et que cette bénédiction rejaillisse sur toute notre assemblée. Dieu est le Père et le pasteur de son Église. Qu'il vous soutienne toujours de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. Amen.
qu'il fasse de vous au milieu du monde des serviteurs et des témoins de son amour et de sa vérité, et de fidèles ministres de la réconciliation. Amen. Qu'il fasse de vous un vrai pasteur, chargé de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Amen. Et que vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. No.